Et bonjour à toutes les yeux, Claudie, j'espère que vous allez bien en ce 31 octobre, ce jour d'Halloween. Mais hier, nous étions le 30, nous étions le 30. Et il y a eu un événement assez cocasse, étonnant, en Russie. Plus précisément au Daguestan, territoire de Russie qui, à la base, me semble-t-il, voilà, détient un aéroport plutôt réputé. Je crois que c'est une grande ville. Hein. Mais, comme me dirait un certain collaborateur, tiens, Guerre, je te laisse introduire juste le début du sujet en me disant ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tiens, parce que c'était plutôt intéressant sur le contexte russe par rapport aux religions. Et ensuite, on comprendra pourquoi il y a une chasse aux Israéliens dans un aéroport daguestanais. Guerre. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant déjà l'URSS, il y avait eu Lénine, puis Staline, etc., qui s'étaient penchés sur la question des musulmans de Russie et qui les avaient tolérés sous certaines formes, de ce que je me rappelle. Après, c'est peut-être faux. Ensuite, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc., Staline, il avait mis en place une ville. Ça, c'est Davidou qui en avait parlé. Il avait mis en place une ville où la langue de la ville, c'est le yiddish et qui est une terre d'accueil donc pour les juifs de Russie. Et en fait, après, en avançant dans ce système-là, en fait, quand on regarde la carte de la Russie, on se rend compte que la plupart des territoires qui sont musulmans, souvent, ou d'autres religions que orthodoxes, mais c'est très souvent musulman quand même, mais en fait, ils sont dans des territoires assez éloignés où les gens peuvent vivre leur foi sans impacter, on va dire, les moscovites ou autres trucs plus citadins. Chacun son petit territoire et en gros, un côté très communautaire quand même. Qui est assumé. Après, il y a eu le cas quand même Poutine en 2006 avec la Tchétchénie ou avec le cinéma, si vous vous en rappelez. Bon, moi, c'était infâme, hein, voilà. Mais mis à part ça, globalement, comparé à d'autres pays européens qui a plus les trois religions monothéistes sur son sol, c'était, moi, je trouve, décemment géré, avec respect et territoire donné. On se respecte de loin, voilà. Donc une situation tout à fait différente de ce que l'on peut connaître dans plein d'autres territoires. Et du coup, hier soir, il s'est passé ceci. Dernière minute, Russie. Les musulmans de la République du Daguestan de sud-ouest de la Russie sont actuellement en train de prendre d'assaut l'aéroport international de la région. Apparemment, dans le but... Alors attention, on va mettre des... Il y a des guillemets, donc je mets les guillemets aussi parce que ça c'est peut-être extrapolé. Après, ce sera peut-être à vérifier dans quelques jours aussi, mais donc dans le but de tuer des juifs, voilà, et des Israéliens. Cela fait plusieurs heures que ça se déroule, suite à des rumeurs selon lesquelles un avion israélien se préparait à atterrir à l'aéroport. Des partisans du Hamas ont également pris d'assaut plusieurs hôtels et lieux publics dans la région à la recherche d'Israéliens. Alors vous dites, c'est incroyable ce que tu nous racontes, est-ce que c'est vrai? Et bien on va regarder, il y a les images, ils ont tout suivi, tout a été filmé, et c'est assez étonnant. Donc on va commencer par l'entrée donc dans l'aéroport hein, qui est fortement... Alors attendez, petit problème de cadrage forcément parce que c'est Twitter. Donc on voit qu'au-dessus vous avez les gens très mécontents. Donc ça commence à venir. Là c'est à l'extérieur. Donc là je pense qu'il se chauffe, là c'est avant d'entrer effectivement. Donc ensuite, on descend. Suivi l'aéroport, une foule a pris d'assaut donc le bâtiment et à la recherche donc de juifs provenant du lot. Et là c'est assez particulier, ils vont essayer d'entrer dans certains endroits fermés hein, d'accès au public. Donc là ça investit l'aéroport de manière assez conséquente. Après, c'est en soutien au peuple peut-être palestinien, et s'il n'y a pas eu de heurts, à la limite, bon, c'est pas dramatique, mais c'est assez impressionnant quand même. Et alors, de ce que je sais, il n'y a pas eu de blessés. Hein. Donc c'est pour ça que le tuer du juif, je suis pas forcément convaincu. Je pense qu'il voulait effectivement voir des gens et tout. Je sais pas trop, pas tout compris. Mais si vous voulez les lyncher, je pense qu'ils auraient fait autrement parce qu'ils ont eu quand même des gens sous la main. Ils sont pas été lynchés. Donc déjà, peut-être calmer un peu le jeu. Mais malgré tout, c'est extrêmement virulent au niveau de ce qu'on voit massivement. Quoi. C'est surtout massif. Quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et là, effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont aller foutre ici chez les bagagistes. Ouais, ils vont tous se retrouver au goulag, par contre. Hein, parce que la Russie, je pense pas que ça déconne au niveau. Si tu fais ça, surtout qu'il y a des images.
c'est pas, pas fou. Donc là, ils sont vraiment pas contents, ils disent « Ah, oh, on va aller chercher, là, on va aller sur le tarmac !» Et donc là, la police arrive, du coup. Au début, les gens se demandaient « Mais quand se fait-il que la police ne soit toujours pas là ?» Et là, la police commence à arriver, donc la police russe, et là, ça rigole zéro. Ils sont pas contents, ils sont armés, musclés, calibrés, et ils vont sûrement casser des gueules. Donc, méfiance. Là, les gens sont calmes dehors, hein. Ils se disent « Non, peut-être pas chercher la merde, absolument. » Du coup, les émeutiers musulmans à la recherche d'Israéliens et de Juifs se sont maintenant introduits sur le tarmac et les pistes de l'aéroport international de Machakala au Daghestan. Et là, ça commence à arriver de manière flippante. Et en fait, ils vont immobiliser carrément un avion. Enfin, immobiliser. Il y a un avion et du coup, ils vont aller voilà, le chercher. Et si Macron, des gens allaient le chercher comme ça, ce serait quand même... Il y aura un petit côté, vous voyez, petit côté jouissif. Je plaisante, bien sûr, non, ce n'est pas un appel à quoi que ce soit, n'allez pas faire chier Macron, n'allez pas faire chier qui que ce soit, et restez chez vous, n'allez pas au Daghestan. Là, les gens se demandent ce qui se passe, hein, dans les cités. Ah, par contre, j'avoue, si tu vois plus de 500 personnes qui arrivent comme ça, même plus, peut-être 2000, je sais pas, enfin, c'est assez colossal, ça peut faire peur. Alors là, je crois qu'ils disent « Mon Dieu, il y a des musulmans, cachons-nous !» Je pense que c'est ça. Je pense que la traduction est bonne. Et du coup, après l'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv, des Islamites en prenant sur l'aéroport, on continue de vérifier à présent les passeports à la recherche d'Israéliens et la police n'intervient pas. Et c'est ça qui est bizarre au début. On pouvait se dire, voilà, quand on commence à lire tout ça, on fait « Bizarre, mais la police commence à arriver petit à petit. » Je pense qu'en fait, ils ne pouvaient pas non plus débarquer comme ça, voilà, au milieu de tout le monde. « Bonjour, on est la police, calmez-vous, arrêtez de contrôler. » C'est, à mon avis, il y a le temps d'arriver et de faire chaque étape aussi jusqu'au tarmac, quoi. Et on voit du coup que ça arrive. Alors on dirait une attaque de zombies, en vrai. Il y a un côté très attaque de zombies, quoi. Regardez, tac, ça passe au-dessus de la barrière. Une vague humaine. C'est chaud, quand même. Le monde devient fou, en fait, là. Tout le monde devient complètement taré, hein. Maintenant ils sont sur le tarmac, ça y est, ils sont là et ils ont décidé d'arrêter un avion, hein, international, et ben, du coup ils soupçonnent qu'il y a des juifs dedans, tout simplement. Donc ils vont vérifier qu'il n'y ait pas un prépuce squeezé. Et en fait ce qui est assez fou, c'est que finalement, ça se trouve il n'y a que quelques militants en fait qui sont là et puis... Il y a plein de gens, des badauds qui doivent suivre. Enfin, je sais pas trop, là, c'est un truc assez bizarre parce que tu dis, il y a des jeunes, il y a l'air d'avoir des gens qui sont bah, tout à fait normaux, enfin, je veux dire, de base. Donc, c'est assez impressionnant de voir que tout le monde est venu d'un seul homme. Quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et je sais pas si ça pourrait arriver, ça. Enfin, je pense pas. Je sais pas si ça pourrait se lever comme ça, que d'un seul homme. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. J'y crois pas trop, non. Moi, je pense qu'en France, on est au-dessus de ça. J'espère. Je suis un utopiste. Laissez-moi rêver encore un peu, s'il vous plaît. Donc là, c'est la chaîne russe. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur sur ça. Mais moi, je me dis... Franchement, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit que tout allait bien se passer. Enfin, c'est chaud, quoi. Enfin, tu fais ça, tu te doutes bien que tu vas te prendre l'armée sur la gueule ou je sais pas. Enfin, surtout quand aussi... Je sais pas. Bizarre. Les passagers sont juifs! Je crois qu'il dit ça. Lui, on dirait que c'est un leader, quoi. Je ne comprends rien. Oui, oui, ils sont dedans. T'es sûr qu'ils sont dedans? Oui, oui, je les ai vus. Ils avaient une barbe et des papillotes. Il fait le signe comme ça, papillotes. Ouais, ouais. Voilà. Et ils avaient une kippa aussi. Comment ça, une kippa? Mais bien sûr, j'en suis persuadé. Et une étoile de David. Voilà, il l'avait dans la main comme ça, la petite étoile de... Je pense que c'est... J'essaie de traduire. Quel cauchemar. Là, il y en a un.
Alors bien sûr, je plaisante, c'est pas ce qu'ils disent. Mais voilà, c'est. Alors après, c'est vrai que c'est bizarre ce qu'ils soient à côté du coup d'un truc pour faire descendre de l'avion, mais bah, il est pas raccroché à un avion, donc c'est bizarre. Peut-être que l'avion est de l'autre côté. Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Ensuite, ça continue. Ils sont, ils sont rassemblés à l'aéroport, mais pas que. Ils sont aussi devant l'hôtel. Un hôtel qui s'appelle l'hôtel Flamingo. L'hôtel du flamant rose, sûrement. Et bah pareil, ils viennent chercher, pour la même raison, du coup, les juifs. Et la police les a laissés pénétrer sans aucune arrestation, semblerait-il. Et en gros, ils demandaient l'expulsion des juifs de l'hôtel. C'est... Ah, c'est vrai que tu dois quand même flipper. Et donc, ils sont là et ils voient une voiture de police arriver à l'aéroport. Et voilà, bah, du coup, elle se fait un petit peu secouer. Il y a quand même des gars qui mettent des coups de poing dans le capot, ça n'a aucun sens. Mon dieu. Alors à un moment donné, du coup, la foule a pris d'assaut l'aéroport, comme d'hab, hein, pour rechercher des juifs, ok. Et du coup, bah, en fait, ils sont tombés sur un docteur, et ils pensaient que c'était un suspect juif. Mais en fait, non, c'est un docteur ouzbek. Donc on voit la photo du docteur, et on va regarder un petit peu la séquence, hein, où il se fait interroger. Tac, hop là, et voilà, et du coup... Donc là ils disent hey, mon frère, prouve-nous que tu n'es pas juif. Et là il dit bah si je monte ma bite, elle est circoncise. Alors du coup il sait pas trop quoi faire. Et il est un petit peu hésitant je pense. Et il va essayer de négocier. Et je pense qu'il y a des gardes du corps du coup sur le côté. Vous avez un gars à gauche et je crois derrière le gars qui le tient en fait et tout. Je crois bien que c'est des gardes du corps en fait du gars. Si vous sentez là, il y a le gars qui le colle là, le chauve. Il le colle complètement. Et vous avez derrière le gars qui le tient. Donc je pense vraiment c'est pour le protéger. Et peut-être même les gars sur le côté à côté aussi. J'ai l'impression que le gars il a plein de gardes du corps, c'est très bizarre. Et en vrai là s'ils avaient voulu les lyncher ils auraient pu hein. Donc bon tu dis finalement j'ai l'impression que c'est plus un mouvement de contestation un peu spontané sans forcément trop savoir ce qu'ils vont faire que vraiment une volonté de lyncher absolument quoi mais ah lui c'est un garde du corps c'est sûr j'ai vu le regard qu'il lance. Oh le colosse. Bref, il y a un colosse. Et du coup, selon la presse israélienne, alors là c'est selon la presse israélienne, donc faudra encore vérifier certaines choses, tous les passagers d'avion qui a réussi à atterrir à l'aéroport de Machakala sont des citoyens russes. La presse russe rapporte que le ministre de la politique nationale du Dagestan est arrivé à l'aéroport de Machakala pour échanger avec la foule des manifestants. L'aéroport a été temporairement fermé et les vols redirigés vers d'autres aéroports. Et donc là on voit les gens pris à partie et qui font non, on n'a rien à voir, nous sommes russes, nous ne sommes pas juifs. Voilà, je pense. Et voilà, avec bah, du coup les familles, etc. Et le gars qui lui demande de remonter du coup dans, bah, du coup, dans l'avion pour ne pas qu'il y ait de problème. Alors, je pense qu'effectivement l'état de panique doit être assez grand malgré tout. Et là on voit la police qui arrive enfin sur le tarmac et qui bah, du coup arrête les méchants. Voilà tout simplement, ils les mettent au sol, ils viennent les chercher, ils leur disent « Tais-toi toi, tu vas venir au goulag là et t'arrêtes de faire chier le monde là, et bien rigoler, c'est terminé. » Donc là, allez hop, au goulag. Ensuite, pareil, la police continue son intervention hein, en mettant... voilà. Et c'est pas spécialement violent, j'étais étonné du calme, mais vraiment, genre j'étais assez surpris de... Bah ouais, pour un état autoritaire extrêmement méchant, etc. Ah par contre, plus ça va, plus le tweet il est hardcore, genre, maintenant c'est des salafistes islamistes. Tout à l'heure c'était juste des musulmans qui avaient envahi le truc, maintenant on est sur des salafistes islamistes. Ouais, des trucs qui partent en couille de plus en plus. Mais du coup voilà, et étonnamment ouais, c'est extrêmement...
Bah c'est calme quoi, enfin. Y a pas de coup de matraque, y a... Genre les gens ils marchent sur les boucliers, y a pas de coups, y a pas de coup de feu, y a rien. C'est étonnamment pacifique. Et même un mec qui sort du camp des méchants et qui vient soutenir les policiers, ça n'a aucun sens quoi. C'est voilà. C'est très bien. Donc du coup là, et là on voit que ça continue hein, et pareil. Je trouve que... bon. Alors là les méchants sont méchants, mais là les policiers sont plutôt calmes aussi quoi. Et encore c'est que des cailloux hein, mais bon en plus ils tapent dans le grillage. C'est... Ah ça y est, ça bon, ça calme, ça calme. Ah alors c'est qui tire par contre là? Ah, parce que là, le tweet lui-même il dit c'est pas clair de savoir qui tire dans quelle direction. Là, c'est clair qu'on sait pas d'où ça vient. Après, j'ai l'impression que les policiers ont l'air de viser dans le fond là. Attendez, c'est ici là. On a l'impression qu'ils visent le gars. Alors, après, je suis pas sûr à 100%. Attendez, tac, tac, sur investigation. Attendez, c'est là, là. Là, là. Là, je sais pas, on dirait qu'il a le bras comme ça, mais je suis pas certain, parce que la résolution est dégueulasse. Mais c'est possible que la police ait tiré au bout d'un moment, après, ça pourrait se comprendre. La situation n'est pas stabilisée à l'aéroport international de Machakala au Dagestan, contrairement à ce que a annoncé Moscou. Les Dagestanais radicalisés scandent Allah Akbar et jettent des cailloux. La légende veut que l'avion est désormais sous un tas de cailloux. Hein. Ah, le boucan quoi, c'est incroyable. Et du coup, une nouvelle vidéo montrait une foule pénétrant le tarmac de l'aéroport de Machakala. Et là, c'est assez fou. Quoi. C'est une marée humaine. Tu sens qu'il y a plein de gens, ils savent pas ce qu'ils foutent ici, quoi, je pense. En vrai, il y en a, ils sont là en mode, ouais, bon... Allez, on va se balader, quoi, c'est... Et là, pareil. Détonation... 3 coups, 1, 2, 3, 4, je sais pas si ça peut être... Ouais. 1, 2, 3, 4, je sais pas si ça peut être... Est-ce qu'il y a des trucs en 4 coups au lieu de 3 peut-être, peut-être. Là, ça a l'air d'être des coups de feu, hein, clairement. Et de qui? Vu comme ça a l'air de se calmer dans la foule, là, ça crie plus trop. Je pense que ça vient peut-être de la police, je sais pas. Parce que ça a l'air de ralentir un peu quand même le mouvement. Je veux dire, au début, on est sur un truc, les gars, ils speed. Et là, quand ça commence à tirer, ça se calme un petit peu. Je sais pas. Étonnant, étonnant. En colère, en cherchant, ils se sont attirés à l'aéroport international du Dagestan. Les autorités se sont rendues ce matin pour enregistrer une vidéo. Le gouverneur du Dagestan affirme que la foule était organisée. Et oui, par des chaînes de Telegram ukrainiennes. Voilà, donc en gros, c'est la faute à Telegram. C'est sûrement c'est possible, ça, par contre, que tout se soit coordonné d'une certaine manière par des réseaux sociaux, ce qui est plutôt légitime. Donc on va écouter... le maire du Dagestan. Eh ben voici l'aéroport du Dagestan. Nous l'avons sécurisé hier soir et nous avons vu tous les méchants que nous avons mis en prison. Ici, bien entendu, ils ont cassé le grillage, on a tout réparé. Alors ils sont organisés sur Telegram, hein. C'est bien certain, c'est les petits jeunes comme d'habitude. Oui, alors on s'est occupé de tout ça, tout est propre, on a tout géré. Alors, regardez là, à droite, à gauche, ils ont tout cassé, mais on a tout réparé. Hein. Eh, comme si de rien n'était. Donc quelque part, c'est une réussite totale.
Ouais, tout à fait. Oui, bravo, commandant, vous avez bien fait votre travail. Merci, merci, je suis fier de travailler pour la Russie. Moi aussi, je suis très content de vous, monsieur, et merci, monsieur le maire. Merci, merci, je suis très fier d'être policier pour la Russie. Ah, j'adore défendre notre pays. Et le tarmac est très propre. Nous avons tout nettoyé ce matin. Voilà, tout simplement. Incroyable situation, je crois que le monde part en couille. Alors je vais traiter d'une autre info un peu triste aussi, parce qu'à Paris, il y a eu dans le 14e des graffitis qui ont été un peu déposés de partout, mais pas qu'à Paris, à Saint-Ouen, je crois, et un autre arrondissement où je ne sais plus, faudra que je regarde tout à l'heure quand je traiterai de l'info, mais bref, le monde part en couille, et c'est embêtant, parce que du coup, quand on voit ce genre de truc, on va se dire « Ah, ben, ça va arriver en France demain, parce que les quartiers sont musulmans !» Et pas forcément, en fait, et c'est bien le problème, en fait, de la situation actuelle, c'est que les gens pètent des plombs, les gens ont envie d'être solidaires avec les gens avec qui ils se sentent proches, ce qui est plutôt légitime. Puis il y en a qui connaissent aussi des gens de tous les bords, et qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs, qu'importe. Et c'est un déchirement, en fait. C'est vraiment un déchirement, et j'ai l'impression qu'on va vivre une période, en tout le cas pour moi, pour mes 37 ans, déjà bien tassés, peut-être l'une des pires périodes de défiance vis-à-vis des gens qu'on pourrait aimer, en fait, qui sont dans nos proches, etc. Et ça me terrifie. Voilà. Clairement, ça me terrifie. Ça peut bouffer le cerveau à tout à chacun, et je le comprends tout à fait. Et moi-même, ça m'affecte fortement. Et bien que j'ai tendance à prendre certaines positions ou d'autres dans les émissions, etc., mon cœur penche quand même plus vers les gens que j'aime. Et le problème, c'est qu'il y a des gens de toute communauté. Et ça me bouffe réellement. Donc, ça me fait chier. Et j'espère que le monde ne s'embrasera pas encore et encore plus, et en espérant que les cœurs s'apaisent. En tous les cas, si vous en êtes là, lâchez votre pouce bleu. Si cette info vous intéresse, abonnez-vous. Et surtout, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. A tout à l'heure, Claudie. A plus tard et bon après-midi.